la chaîne Techno 01net, toute actualité high-tech, vous le savez tous les jours. Et nous sommes encore ici aujourd'hui au Paris Games Week, ce grand rendez-vous dédié aux jeux vidéo qui se déroule tout au long de cette semaine, ici à Paris. Ouais, autant vous le dire tout de suite, il n'y a pas du tout d'ambiance. La chaîne Techno 01net qui vous fait vivre ce Paris Games Week depuis hier avec ce grand talk PlayStation 4, Xbox One. À revoir sur LCT 01net. Voilà, bien sûr. Et puis les tendances aussi dans ce domaine du jeu vidéo. Et on poursuit aujourd'hui avec quelques-unes des nouveautés sympas et le phénomène Call of Duty, Jérôme. Ah bah le phénomène Call of Duty, comme d'habitude, regardez cette file d'attente pour aller essayer le prochain Call of Duty Ghost qui sort le 5 novembre. On peut même dire que Activision avait organisé un concours et les joueurs n'ont pas hésité à coucher dehors pour essayer d'attraper ce lot. Voilà, un coffret collector Call of Duty n'avait 500, donc c'est pour ça que tous ces gens faisaient la queue. Alors, autre activité et autre actualité chez Activision, il s'agit d'un jeu qui n'est pas encore sorti, qui va sortir l'année prochaine et qui est très ambitieux. C'est l'un des gros titres d'Activision pour les mois qui viennent. Il s'agit de Destiny. Ici, on le présente un peu comme un teasing au public français. Et ça sera un des plus gros jeux de l'année 2014. C'est un des plus gros budgets de production jamais investis par Activision. Avec le studio Bungie, qui est les créateurs de la fameuse saga Halo. Et en fait, Destiny est une nouvelle saga proposée par le studio Bungie. Et sur lequel on a beaucoup misé, beaucoup d'ambition. Et le jeu a été élu meilleur jeu du dernier salon à la Gamescom. C'est une nouvelle saga où on doit sauver l'humanité. Voilà. On ne veut pas en dire trop pour l'instant. On va révéler au fur et à mesure, tout simplement. La grande innovation de Destiny, c'est que c'est d'abord et avant tout un jeu d'action donc qui prend quelques mécaniques de jeu au jeu multijoueur qui évolue dans un univers persistant, qui mélange un certain nombre de genres et qui, on espère, va révolutionner un peu le jeu d'action. Il sort quand ? Alors, on n'a pas encore de date de sortie parce qu'on veut donner au studio Bungie toute la latitude pour peaufiner le jeu. Il sortira pendant l'année 2014, c'est ce qu'on a annoncé, mais... tant que le jeu ne sera pas fini et peaufiné aux petits oignons, pour l'instant, on ne sortira pas. Et sur quelle console ? Alors, il sort sur toutes les consoles, et en particulier les consoles de nouvelle génération. C'est un jeu qui a été pensé d'abord et avant tout pour les consoles de nouvelle génération et qui poussera également les consoles comme la Xbox 360 ou la PlayStation 3 dans ses derniers retranchements. Voilà, allez. Faites chauffer les manettes pour Destiny. Autre poids lourd et autre titre très attendu pour l'année prochaine, c'est un jeu signé Ubisoft, il s'agit de Watch Dogs. Dans Watch Dogs, on évolue à notre époque, dans la ville de Chicago, une ville qui est hyper connectée, dans laquelle tout est régi par un système d'exploitation qui contrôle toutes les infrastructures de la ville. Dans cette ville, vous allez incarner Eden Pierce, un hacker qui va pouvoir prendre le contrôle de ses infrastructures à l'aide de son smartphone pour pouvoir mener une vendetta personnelle. Alors la particularité de ce jeu, c'est qu'il est immense. Et un peu à l'image de GTA V et d'autres jeux, on a un environnement de jeu qui est très très grand, c'est ça ? Exactement, on a une reproduction très réaliste de la ville de Chicago, dans laquelle on va pouvoir se balader librement à l'aide de véhicules, et dans laquelle on va pouvoir accomplir de très très nombreuses activités, comme des missions d'assassinat, comme des courses de véhicules, ou comme tout simplement aider la population de Chicago. En fait, c'est plusieurs jeux en un, quoi, c'est ça ? Exactement, aujourd'hui, c'est des jeux qui nécessitent de longs temps de production et qui proposent un contenu de plus en plus vaste pour les joueurs pour qu'ils puissent passer de plus en plus de temps sur ces jeux-là. Alors ce jeu a été annoncé pour la fin d'année, puis finalement repoussé à, on va dire, milieu de l'année prochaine. Pourquoi ? Alors c'était une décision difficile à prendre, mais aujourd'hui on est convaincu que c'est la bonne décision. C'est un jeu qui était très attendu par les joueurs et par tout le milieu de l'industrie du jeu vidéo. Et on voulait s'assurer que le jeu réponde aux attentes des joueurs en délivrant le jeu avec la qualité maximale et les ambitions qu'on s'était fixées initialement. Et il sortira quand donc ? Il sortira au printemps 2014. Voilà pour Watch Dogs, ça donne envie d'y jouer. Hein. Vivement que ça sort, ça sera l'année prochaine. Alors ce Paris Games Week prend de l'ampleur. Hein. D'année en année, on s'en rend compte ici, il y a de plus en plus de monde. Tant et si bien que les ministres viennent ici visiter ce Paris Games Week, notamment Fleur Pellerin, ministre de l'économie numérique. La Paris Games Week, c'est un moment important pour le jeu vidéo et notamment le jeu vidéo français. Alors c'est un événement grand public, mais moi ce que je suis venue soutenir, c'est l'industrie française du jeu vidéo. On a de très très belles entreprises qui sont parmi les meilleures mondiales et je crois que c'est vraiment un secteur de l'économie qui est très dynamique et qu'on doit mettre en avant, valoriser et soutenir. Comment promouvoir le jeu vidéo français ? Déjà à l'étranger, puis surtout comment aider l'industrie du jeu vidéo française ? Alors, j'ai mis en place avec Aurélie Filippetti un groupe de travail justement avec la profession, les éditeurs, les studios. Ils nous faisons un certain nombre de propositions pour adapter le crédit d'impôt jeux vidéo aux nouvelles formes de jeux. Aujourd'hui, il y a des... on parlait tout à l'heure de Assassin's Creed, où
vous avez besoin de des équipes de 700 personnes pour développer le jeu. Ce sont des budgets qui représentent plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc c'est devenu colossal. Et donc il faut adapter les outils de soutien public à cette nouvelle réalité. Et nous y avons travaillé avec Ubisoft, avec les syndicats, le CEL, le SNJV, pour trouver de bonnes solutions. Donc ça c'est pour l'aspect soutien financier du gouvernement. D'une manière plus générale, je pense qu'il faut aussi défendre la French Touch, inciter les jeunes aussi à s'orienter vers ces formations, qui sont des formations attractives, je crois, sont des vrais métiers, sérieux, voilà, et montrer tous ces nouveaux métiers, montrer tous les débouchés que représente l'industrie du jeu vidéo. Voilà pour ce petit coup d'œil sur la Paris Games Week. Alors c'est vrai que c'est un petit peu inhabituel sur la chaîne Techno de parler comme ça des jeux, des titres eux-mêmes, mais on voulait pas vous faire rater cet événement, on termine par un petit détour. Sur le salon de l'auto, hein, c'est ça, François ? Écoute, pas tout à fait. On est sur le stand Sony, PlayStation 4, bien sûr, et Gran Turismo 6 avec cette superbe Porsche qu'on pourra donc piloter dans Gran Turismo 6. Voilà, la chaîne Techno 01 Net. Évidemment, on est là tous les jours. À très vite. Salut à tous.